Zum Break. Sollen wir beten? Amen. Amen. So this is the last presentation. C'est ma dernière présentation. La dernière présentation de ce camp meeting. Et j'espère que tout le monde a été béni. Et je voudrais remercier IPR pour leur dur travail. The presentations here in Portugal. Et remercie aussi Finn d'avoir hébergé la présentation ici au Portugal. I think we can all see. Et je pense que nous pouvons tous voir qu'il s'agit d'un grand message. Je ne parle pas du message en général, je parle juste ce point-là. There are many things to consider. Il y a énormément de choses à considérer quand nous réfléchissons à l'œuvre de Josiah Litch. Dans les anciens jours, les personnes ont utilisé cette phrase de retour dans les anciens jours. When we used to look at the Millerite explanation of things. Quand nous regardions à l'explication millérite des choses, and we would say they made these mistakes. Et qu'on disait ils ont commis ces erreurs. I quickly came to a position. Nous sommes rapidement parvenus à une position. In my thinking. Dans ma réflexion. And I occasionally would say the same. Et peut-être que j'aurais même dit la même chose. We have the truth. This movement has the truth. Nous avons la vérité. Ce mouvement possède la vérité. And I would, I'll say it this way. I would parrot the same line as everyone else. Et je le dis de cette façon. J'aurais fait le perroquet de la même façon que tout le monde. The Millerites made mistakes. En disant que les Millerites ont commis des erreurs. The position of the sanctuary. Par exemple, leur position sur le sanctuaire. Their understanding of the parable of the ten virgins. Leur compréhension de la parabole des dix vierges. The 2520. Les 2520. The structure of paganism and papalism. La structure du paganisme et du papisme. The fact that they have at the end of the world. Le fait qu'ils ont eu à la fin du monde, et alors que nous irons dans Jean 2:20, nous on va marquer 46, ils vont marquer 45, qu'il s'agit là de l'histoire du paganisme. Ils considéreront les choses d'une façon différente que la nôtre. Mais ce que j'ai commencé à réaliser, à apprécier, et même si je le comprends comme ça, ils ont commis des erreurs, et il y a certaines choses qui ont prouvé être fausses, parce qu'on peut apprendre de leurs erreurs,
concept for a long time now. Et je repose sur ce concept depuis longtemps déjà. And I would generally encourage people to do the same. Et j'encouragerais généralement les gens à faire la même chose. Acknowledge the mistakes of the Millerites and say that we can learn from them. Que l'on peut apprendre des erreurs des Millerites. But now, mais maintenant, maintenant, ce que je dis, c'est dans le contexte de cette étude, Daniel 11, hein, 11, 9, 11, donc 11, 9, 11, section 5, section 6, la section 5 et 6, Daniel, hein, Daniel et Apocalypse, hein, this study, quand nous considérons cette étude, 11, Revelation 9, Revelation 11, Daniel 11, Apocalypse 9, Apocalypse 11, cette répétition et cet élargissement, where you have this interaction, this dance between France and Islam, où on a cette interaction, cette danse entre la France et l'islam. But not only can we learn from their perspective, their study, non seulement on peut apprendre de leur perspective, de leur étude, but it was true. Mais c'est vrai. There weren't mistakes in their study. Il n'y avait pas d'erreur dans cette histoire. Now, this is not a new concept that I'm suggesting now. Ce n'est pas un nouveau concept que je suggère maintenant. Là. For those of you who have kept up with the studies for the last 15 or so months, et pour ceux d'entre vous qui ont suivi les études depuis 18 mois déjà, depuis 18 mois, si vous retournez dans l'école du Brésil de janvier à mars 2019, si vous retournez à ce point de départ, car c'est là Or the blossoming of this study began. C'est là où le commencement, où le jaillissement de toute cette étude a commencé, janvier 2019 à l'école des prophètes du Brésil. Et ce sujet a été emmené grâce à une question qui a surgi durant l'école, qui était: how do we understand predestination? Comment comprenons-nous la prédestination? What is predestination? Qu'est-ce que la prédestination? Are we Calvinists or not? Sommes-nous calvinistes ou pas? How do we understand conditional prophecies? Alors, comment comprenons-nous les prophéties conditionnelles? Because it was a new concept, a new idea. Parce que c'était un nouveau concept, une nouvelle idée. People had different ideas. Les personnes avaient différentes idées. Perhaps not by the end of the school. Et peut-être pas à la fin de l'école, mais certainement autour de l'été 2019, je pense, il y a eu un consensus sur ce point. Que la façon dont nous comprenons les prophéties conditionnelles ou bien la prédestination, de plusieurs façons, est incorrecte. Et là, je vais faire une pause. Et j'aimerais vous ramener vers des études que le frère Philippe en Roumanie a faites l'année d'avant, donc en 2018. Et je ne suis pas sûr s'il a développé ses études. J'espère qu'il l'a fait, mais j'ai le sentiment qu'il ne l'a pas fait. Et ce à quoi je fais référence, et je le dis dans un terme non scientifique, le petit au grand. Si vous prenez un tableau qui est grand et que vous le faites tomber dans une salle qui est remplie d'air,
Vous pouvez prédire 100% de fois ce que fera ce tableau. Et c'est comme ça que la prophétie fonctionne. Mais par contre, si vous prenez une petite parcelle de poussière et que vous la faites tomber, et vous ne pouvez pas donc prédire le mouvement ou la chute de cette poussière, parce qu'elle est soit trop petite. Comme elle est petite, votre habilité de prédiction change. Et ce phénomène littéral a un impact sur notre compréhension de la façon dont fonctionne la prophétie. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas jusqu'où il a développé ses études. Mais je pense qu'il y avait donc une intention pour nous enseigner beaucoup de vérités prophétiques. Alors, si nous retournons vers la pensée que je voulais faire, lorsque nous parlons de la prédestination ou des prophéties conditionnelles, the whole subject is not as straightforward as we might like to think that it is. L'ensemble du sujet n'est pas aussi direct qu'on pourrait le penser. People find it hard to accept. Et des personnes pensent qu'il est difficile d'accepter. Perhaps not now. Peut-être pas maintenant. But earlier they would. Mais avant, ils pensaient. And FFA still do. Et FFA aussi le croit toujours. Qu'un seul verset peut avoir deux significations. Ça peut être complet, pas forcément complet. Ce qui est significatif, j'espère que maintenant on peut voir la clarté de ce qu'on n'a jamais pu voir auparavant. Que notre version de Daniel 11, 40, celle-ci, nous l'avons au tableau. Toute cette information, ce n'est pas la vérité d'origine. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas une explication que Dieu donne à son peuple. Dans la parole de Dieu, ce verset veut dire quelque chose de différent. Donc, c'est différent de ce qu'on comprend aujourd'hui. Je ne veux pas limiter la parole de Dieu. Je ne veux pas limiter Dieu. Mais dans sa sagesse, il pouvait construire sa parole d'une façon très belle. Laissez-moi vous le dire comme ça. Il a quelque chose dans son esprit qu'on appelle sa volonté. Et c'est sa volonté que Dieu reviendra dans son histoire. Bien que sa volonté n'a pas été accomplie, these words, these chapters to be written in a certain way. Il attend que ce chapitre soit écrit d'une certaine façon, afin que ce verset puisse être accompli trois générations plus tard d'une façon tout à fait différente. Verse 40 has absolutely nothing to do with the papacy. Ce verset n'a rien à voir avec le
le verset 40. The original intent of these, of that verse. Et c'était l'intention d'origine de ce verset. You have to go to different verses to look at the papacy. Il faut aller dans d'autres versets pour voir la papauté. What was this verse about? De quoi parle ce verset? France and Islam. When Islam. This was about France and Islam. That's what this verse was about. Cela, c'est de la France et de l'islam. C'est ce que enseigne List. And we might find that hard to believe. Et peut-être que c'est difficile à croire. Because we took six classes. On a pris six classes to prove. Pour prouver que Daniel 11:40 parle de la papauté, parle des États-Unis. Et ce que nous avons trouvé, en fin de compte, ce verset n'avait rien à voir avec la papauté et les États-Unis, mais ça parlait de la France et de l'islam. L'intention d'origine. And this becomes a difficult proposition for some to believe. Et ça, c'est une proposition difficile pour certains de croire. So, Brother Wolfgang can now say with confidence. Frère Wolfgang peut dire maintenant avec confiance. Donc c'est une différente dispensation, donc quel est le problème? Mais il peut se rappeler autant que moi. Si nous avions eu cette conversation il y a de cela 2 ans, il n'aurait jamais fait cette déclaration. Si j'avais dit une telle chose, with some force, he would have argued against it. Avec beaucoup de force, il aurait se serait opposé. Donc c'est ça fait plaisir de voir. I say many of us. Je dis plusieurs d'entre vous. Us, are us old timers. Those pre-2014 people. Ces personnes-là, avant 2014, qui sont en mesure de se repentir, qui sont en mesure de retourner et de voir qu'on a mal fait. Parce que si on peut se repentir sur ce point, alors pourquoi on ne peut pas accepter quelque chose d'autre qui est en lien avec le message du crime minuit? Because this study, parce que cette étude part of the midnight crime message, qui fait partie du message du crime minuit, de la dispensation de William Miller. Not the cry of the second, but the cry of the first angel. Ce n'est pas le cri du premier, mais du deuxième ange, mais du premier ange. Cela, maintenant, fait partie donc de ce cri. Du premier, du troisième. Là, on est dans le troisième ange. Cela fait partie du message du cri de minuit. Ce que nous voulons faire, il nous faut prendre donc cette histoire, cette version-là, vraie, et essayer de comprendre ce que cela veut dire pour nous à la fin du monde. Dans cette étude, nous ne sommes pas entrés dans les détails du verset. We're not going to finish it here in this study. On ne va pas la finir ici, là, dans cette étude. But what I want to do,
ce que j'aimerais faire. Briefly, discuss something that we began to talk about in our class, but we didn't finish. C'est discuter ce qu'on a fait dans notre classe, mais on n'a pas fini. For those of us who, for those of you who keep up with the studies that I do. Et ceux qui suivent les classes et les études que je fais. I hope to continue this and to finish the to tie up the loose ends. J'aimerais terminer cette étude pour ne pas la perdre. We're going to turn the board around. Donc on va tourner le tableau. On the back side of the board is some studies that were done a few weeks ago now. C'est une étude qu'on a fait il y a de cela quelques semaines. I think it was during our school or after our school. So it's at least 2 weeks old, I think. Il y a peut-être deux semaines. I'm not sure. I don't want to take the whole of the board. There's a lot of information on there, but I want to direct us to a portion of it. Alors cette étude date de deux semaines. Je ne vais pas vous diriger dans toute l'étude, mais juste une partie du tableau parce qu'il y a beaucoup d'informations dessus. So we're looking. I said 13 verses. That's 14 verses. We're going to look at the last 14 verses of Daniel 11. J'aimerais qu'on regarde les 14 derniers versets qui appartiennent du verset 32 de Daniel 11, des versets 32 à 45. Where is the time of the end? That phrase, where which verse do we go to find the time of the end? Cette phrase là, on la prend où? Hein? Le temps de la fin. Peut-être que quelqu'un peut nous donner la réponse en ligne. On a déjà deux réponses. Le frère Troy, il est tombé dans le piège parce qu'il nous a donné le verset 40. Et l'autre personne a été plus mesurée dans sa réponse. Elle nous a donné le verset 35. Donc, désolé pour cela. Directed you that into that direction because it was bound to happen. Je vous ai dirigé vers cette direction. Everybody. J'aimerais vous diriger. Ignore all of this. Ignorez tout cela. This box. On est ici là dans cet endroit. On veut voir la progression, la répétition, l'élargissement. So, as I say, I can't remember what study this was. Et comme j'ai dit, je ne me souviens pas de quelle étude c'est. If someone knows, maybe they could put the class number on. Si quelqu'un sait, peut-être qu'on peut mettre la classe, le numéro de la classe. It's over about three or four classes. C'est trois ou quatre classes. I think this would be maybe 15 verses. Now it begins in verse 31. Donc ça commence au verset 31 et ça se finit au verset 12.1. Si vous allez dans le verset 31, partie B, it says the last part of the verse, and they shall place the abomination that maketh desolate. Et verset, la partie B nous dit Daniel 11:31, il nous est dit. Et ôteront le sacrifice journalier et mettront l'abomination qui cause la dévastation. Voici là, 31b. Le placement là de l'abomination qui cause la désolation, c'est la même chose que Daniel 11. Class 138, someone found that. We found it, I don't know. We found it. C'est 128. Go to 138 and onward, you'll see it.
C'est verset 31 et suivant, vous le verrez. In Daniel 12:11, it says they shall set up. In 11:31, it says they shall place. This is 5:38. Donc, il compare Daniel 12:11 et Daniel 11:31. L'un dit on ôte, l'autre dit on place. Donc, on va ensuite au verset 35. Daniel 11:35. Qui nous emmène donc au temps de la fin. Some of them of understanding shall fall to try them and to purge and to make them white. Even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. Et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont afin qu'ils soient éprouvés et purgés, qu'ils soient blanchis, à savoir jusqu'au temps de la fin, et cela est encore pour un temps déterminé. Nous avons lu Daniel 11, 35. So that's 1798. Il s'agit là de 1798. On n'a pas le temps de l'étudier. But we identify that verse 32 to 35a is the 1260. Mais nous avons identifié que Daniel 11, 32, la partie A, c'est les 1260. Ça s'appelle la grande tribulation. So we set up that dynamic first. On a mis en place cette dynamique en premier. It's preceded by pagan Rome. Et cela est précédé par la Rome païenne. So, if we went back to the previous board, donc Daniel 11, 32, les 1260 années. Donc si on va dans le... 17, verse 8. Alors si on va là dans le tableau précédent, c'est Daniel 17, 8, la bête qui était. La bête qui était. The angel took John into the wilderness. Qui serait donc Apocalypse 17:1 lorsque l'ange amène Jean dans le Now désert. Maintenant, on va sauter 40, part A. Dans le verset 40 que j'appelle partie A, juste avant la fin, le temps de la fin. Là aussi, c'est 1798. Et ensuite, on va dans la partie 35B, which we call the last days. Que nous appelons là les derniers jours. On va dans Daniel 12:1 et le temps de trouble nous emmène à la fin du temps de grâce nous emmène au temps de trouble. Donc là entre Daniel 35b on a les versets 36 et 39. Et ce qu'on aimerait considérer, c'est comment on détaille cette histoire. Comment ça marche? Where do we place verse 36 to 39? Où plaçons-nous les versets 26, 36 et 39? Is verse 36 to 39, les versets 36 à 39, is it connected with verse 35? Est-ce connecté au verset 35? Or is it connected to verse 40? Ou est-ce connecté au verset 40? So, alors, est-ce connecté au verset 35 ou 40? There are various ways to show this. Il y a plusieurs façons de montrer cela. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir là, ce n'est pas très clair. Verse 35, le verset 35, 36, to 39, 36 à 39, verse 40, le verset 30, by 41 to 45. Suivi par 39 et... Nous le là c'est le temps de la fin. Est-ce que 36 et 39 est-ce l'histoire qui vient après le temps de la fin? Tout comme 36 et 39 c'est l'histoire qui vient après. Ou bien est-ce que le verset 36 à 39 the history of the time of the end. C'est l'histoire du temps de la fin. So, there's two ways to consider that. Donc, il y a deux façons de considérer ces choses. And here it's a little bit small. Et ici, là, c'est un peu petit. But there's another way to consider this. Mais il y a une autre façon de considérer cela. You have the time of the end. Nous avons le temps de la fin, 35 et 40. And is 36 to 39. Et c'est 36 et 39, the prelude to les préludes time of the end. Au temps de la fin, ça veut dire que 36 s'alime avec 41. So, what we'd want to understand, ce qu'il nous faut comprendre, is where these verses fit in.
Et où se placent ces versets? Est-ce que ça se connecte au verset 35 ou 40? Donc, je recommande que les personnes regardent ces classes et les vidéos 138, 139 pour comprendre, pour aborder toute cette histoire. Les vidéos 138, 139, 140 de Finn, EDP de Finn. C'est des choses donc que les personnes devront commencer à considérer. Donc, il y a des personnes qui ont déjà donné une réponse. Et je ne sais pas s'ils ont déjà fait ça parce qu'elles ont déjà étudié. Ou que les personnes pensent qu'elles connaissent déjà les réponses. En fait, ça commence à la vidéo 136 jusqu'à la vidéo 140, cette étude. Parce que quand on l'a regardé dans notre classe, ça ne semblait pas aussi évident que cela pourrait le sembler là. Ce sur quoi j'aimerais que nous réfléchissions, c'est l'histoire de France alors qu'elle interagit avec l'islam. Et on veut comprendre pourquoi ils font tout ça. Donc, si vous allez dans le livre APEC, la section 5, ce que vous allez voir dans la pensée introductive à la page 88 en anglais, APEC, page 88 en anglais, nous n'avons pas ce livre en français. Litch commence avec cette citation. The prophecy of Daniel in the 11th and 12th chapters, unlike the former, which is 10, is communicated not by prophetic emblems, which means symbology, but by direct revelation of the events of futurity, the future. But like the others, it furnishes us with a train of events from the days of Daniel. Alors, la prophétie de Daniel dans les chapitres 11 et 12, contrairement à la première, est communiquée non pas par les emblèmes prophétiques, mais par la révélation directe des événements du futur. Mais comme les autres, elle nous fournit avec une succession d'événements à partir des jours de Daniel jusqu'à la résurrection et la glorification des justes. APEC 88. Ce que j'aimerais que nous voyons, c'est donc juste réviser ce qu'il vient de dire. Alors, Daniel 11, peut-être que quelqu'un pourrait le poster. Daniel 11 is unlike the previous chapter, Daniel 10. Daniel 11 est contraire, n'est pas semblable au chapitre précédent, le 10. Et il explique les différences. Il communique les vérités au sujet donc, du futur. Il donne les vérités du futur, non pas par des symboles, mais par la révélation. Ce que ça veut dire. Alors, on a perdu le signal, on revient. Ce qu'il est en train de dire, c'est cela. Daniel 10 c'est Dieu qui explique la vérité par le symbolisme. Mais Daniel 11 est différent. Les deux doivent être juxtaposés. Ils sont en opposition l'un l'autre.
Alors, si Daniel 10, c'est du symbolisme, alors Daniel 11, c'est quoi? Opposé, qu'est-ce qui est opposé au langage symbolique? Donc, c'est du luthérien, du littéral. Donc, Daniel 10, c'est symbolique, et Daniel 11, c'est littéral. Maintenant, c'est nous savons ce que Smith dit dans son œuvre, dans Daniel et l'Apocalypse. Que le titre pour le chapitre 11 est quoi? Comment Uriah Smith appelle le chapitre 11? So, just want to make sure with IPR, are we back on board? Everything's okay? Juste pour nous assurer avec IPA, est-ce que tout est bon? Someone said a literal prophecy. Alors, quelqu'un a dit une prophétie littérale. C'est Katia qui a dit ça. Alors, le titre de son livre pour Smith, le chapitre 11, c'est une prophétie littérale. Une prophétie littérale. Why did Uriah Smith say that? Pourquoi Uriah Smith dit cela? Why did he say it's a literal prophecy? Pourquoi Uriah Smith dit que c'est une prophétie littérale? Car comme Lich, ou il a copié Lich, il reconnaît que cela n'utilise pas un langage symbolique. If you go through the chapter, si vous lisez le chapitre, on est au chapitre 11, vous allez voir qu'il utilise un langage littéral, Daniel 11. Un langage littéral est utilisé. Le verset 2. Alors, trois rois en Perse. C'est un langage littéral encore. Le quatrième sera plus riche. Verset 3. Un roi puissant. Verset 4. Son royaume sera divisé. Et on peut parcourir ce chapitre. Et contrairement aux autres chapitres de Daniel, on peut voir que ce chapitre de Daniel 11 utilise vraiment un langage littéral, clair, pas symbolique. Et c'est ce que Smith a identifié. Il y a de cela 10 ans, nous avons eu donc un camp meeting dans mon pays d'origine qui touchait Daniel 11. Et nous avons parcouru Daniel 1, 11, 1 à 45. Je ne pense pas que cette série est en ligne encore. Mais quand ce camp meeting a été fait, et que vous voyez l'œuvre de Smith, vous allez voir que quasiment tout le chapitre, c'est de l'histoire. De l'histoire littérale. Perse, grec et romain. Il a donné des noms, des dates, des batailles. Il y a une interaction. Il n'y a aucune application, quelle qu'elle soit. Tout est littéral. Quand Lich est venu dans cette partie, dernière partie donc de ce chapitre où il continue. On est dans la section 548. Et ça commence avec la Médo-Perse et le royaume grec. Il va jusqu'à la page 91, partie B. Ça s'appelle les Romains, les Juifs et l'histoire chrétienne.
And here he shows us a repeat and enlarge. Et là, il nous montre une répétition, un élargissement. We identify what history we're dealing with. Pour identifier à quelle histoire, avec quelle histoire on traite. La partie 3 de cette section. Et ça s'appelle la Révolution française et le règne de Bonaparte. La page 95. A government perfectly atheistical in its character and reckless in its conduct. Ah, la page 95.1, la PEC. Nous présentons après l'histoire prophétique de celui, le gouvernement le plus singulier qui a fourni par l'histoire du monde un gouvernement parfaitement athéiste dans son caractère et dans sa conduite. Et rappelez-vous, tout ce chapitre-là, cette section, elle s'appelle « Le temps de la fin ». Donc, il nous amène dans cette histoire. Et il cite les versets 36 et 39. Et maintenant, donc, il va expliquer. Il va expliquer l'histoire de France dans, dans ces versets. The French Revolution, France. Il va prendre cette histoire-là et nous expliquer cette histoire et de la nature et de la Révolution française. I want to go down to page 97. Donc, on est au livre APEC 95. Maintenant, on va dans la page 96. 97, he quotes verse 40. Alors, la page 97, il cite le verset 40. 92. The time of the end is a period to which frequent allusion has been made. Le temps de la fin est une période dans laquelle des allusions fréquentes ont été faites. APEC 98.1. The time of the end is a period to which frequent allusion has been made. Alors, et maintenant, nous sommes introduits dans la période où cela est introduit. Il a déjà dit que le temps de la fin, c'est à la chute de la papauté. 1798. À la fin elle-même, which is the title of this section. Qui est le titre de cette section. King of the South, we have also seen in the preceding remarks, is Egypt. Et on a vu que le roi du Sud dans la est aussi l'Égypte. Et le Nord, c'est la Syrie. Et après, il lit le verset 40. C'est le gouvernement athée de la France, il dit. Il dit que ce gouvernement devait prospérer jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Verset 36. Ou quand le peuple de Dieu serait sous la persécution. C'est pour lui. It's for this purpose that atheistic France was permitted to triumph. Et c'est pour ce but que la France athéiste a été permise de triompher. I want to skip down a little bit. Begins to speak about Napoleon Bonaparte. Ah, c'est jusqu'à ce que la papauté soit blessée pour les persécutions qu'elle infligeait sur le peuple de Dieu. Et c'est pour cette raison que la France athée lui a permis de triompher. Hein. Bon, après, qu'est-ce qu'il a dit? Next sentence. The papal dominion was taken away in February 1798. We all know that. Donc, la domination papale a été ôtée en février 1798. Nous le savons tous. Hein. Et en mai, ce qui suit là. À l'instigation de Napoléon, les Français ont mis en place une expédition pour l'Égypte,
Et le commandement, là, a été remis à Bonaparte. La question est... et là où Leach ne rentre pas dans les détails, alors pourquoi la France va-t-elle en Égypte? Et elle vient juste de ôter la papauté. C'est l'outil de la vengeance dans la main de Dieu. Pourquoi va-t-elle en Égypte maintenant? Il s'agit d'une histoire longue et compliquée. Et particulièrement, quand nous considérons les 1260, et quand nous considérons l'Empire oriental de Rome, on va l'appeler d'un seul nom. Constantinople. Alors, on va l'appeler Constantinople. Ça, c'est l'Est. Et à l'Ouest, il y a ces puissances européennes. Alors, il y a sept nations à l'Ouest et la Constantinople à l'Est. Et ces sept nations à l'ouest protègent la papauté. Une armée lui a été donnée. Des armes se lèveront, se tiendront de son côté. Et Daniel 11:31, il cite. Si vous ne comprenez pas la dynamique des 1260, certaines de ces choses n'ont aucun sens pour vous. Mais ces études sont dans le domaine public et elles datent de plus de 10 ans. La France va démanteler la protection papale. Ça veut dire qu'elle va détruire l'Europe. Et l'un de ses ennemis puissants, et parfois les gens ne considèrent pas que ça fait partie de l'Europe, son ennemi en chef, là, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne et la France sont des ennemis mortels depuis des siècles. Bonaparte est un général dans l'armée. Le gouvernement lui a confié la mission de gérer l'Angleterre. And he wisely says no. Et lui, sagement, a dit non. Il réalise que cela n'est pas une bonne stratégie. À la place, d'une intervention militaire, il va essayer de traiter avec l'Angleterre d'un point de vue économique. La Grande-Bretagne a déjà fini avec l'esclavage. Et on doit dire les esclaves africains. Il n'a pas vraiment terminé avec l'esclavage. Ils ont changé la forme et l'ont déplacé. Les colonies,
Les colonies, les pays dont la Grande-Bretagne a la même mise, la source de son économie, de sa puissance, de sa force, la plus grande source de revenus pour l'Angleterre, c'est l'Inde. Ça s'appelait le joyau de la couronne de l'Empire britannique. Et aller en Inde par la voie maritime est très difficile et dangereuse. Et à cette époque, il y avait une route beaucoup plus simple. Et pour prendre le contrôle de cette route, la Grande-Bretagne devait prendre le contrôle donc de la mer méditerranéenne. Ils avaient une grande base navale ou beaucoup de navires qui contrôlaient cette mer. Et c'était pour contrôler la route marchande ou commerçante de l'Inde à l'Angleterre. De la mer Méditerranée, on peut y aller par la mer Rouge ou l'océan Indien ou le canal de Suez qu'on appelle maintenant, qui n'existait pas, lequel n'existait pas à ces jours. Ils avaient déjà fait un canal qui n'était pas achevé de la mer Méditerranée à la mer Rouge. So Britain had to keep control or keep a channel open in Egypt. Donc la Grande-Bretagne devait garder un canal ouvert en Égypte. So they had a strong Mediterranean navy. Ils avaient beaucoup de navires, ils avaient une forte force navale. Et ils avaient une présence en Égypte. Et pour garder le contrôle du canal de Suez, et à l'époque, ça n'existait pas. Hein. Et cela leur a permis d'avoir une route pour l'Inde. Et Napoléon savait, s'il pouvait prendre le contrôle de l'Égypte, Napoléon savait que s'il pouvait prendre le contrôle de l'Égypte, il aurait coupé la force économique de l'Angleterre. Et c'est la même chose que les États-Unis ont fait avec la Russie, l'Union soviétique, durant la guerre froide. En fin de compte, la guerre afghane was a desperate act by Russia, l'USSR. La guerre afghane était un acte désespéré de l'URSS pour se libérer de cette barricade économique faite mise en place par les États-Unis. Donc c'est des histoires parallèles. All of this happens in 1798.
Et tout cela se passe en 1798. Et si vous regardez à l'œuvre de Leach, APEC 98, il l'explique en grand détail. What ends up happening is that Egypt fails in its mission. Ce qui s'est passé, c'est que l'Égypte a échoué dans sa mission. It doesn't overcome Egypt. La France a échoué dans sa mission. Napoleon fails in his mission. Napoléon a échoué dans sa mission. Pour remporter l'Égypte et mettre en place un blocus économique en Angleterre, pour l'Angleterre, par rapport à l'Inde. Alors, la France a essayé d'aller en Syrie pour prendre cette partie du pays. Elle a échoué également dans ce projet. En ce moment-là, la Syrie était contrôlée par la Turquie. Elle a échoué avec l'Égypte. Elle a donc la France échoué avec l'Égypte et la Turquie au nord. By next year, the following year, 1799. Et c'est en 1799, l'année qui suit. Out of the Middle East and returns home. Elle quitte le Moyen-Orient et retourne en France. Completely failed project. Et ça a été un projet vraiment joué à l'échec. And that's where the story ends. Et c'est là que l'histoire se termine. At least this part of that story. Au moins cette partie de l'histoire. Now, what we want, he again goes into verse 41. It doesn't end in verse 40. Ça ne se finit pas au verset 40. Ça va au verset 41. Mais ce que nous voudrions faire, nous voudrions noter, une fois que la France part, they create a power vacuum. Il laisse donc un vide de puissance. And in that power vacuum, what we will call the leader of Egypt or the pasha of Egypt. Alors dans ce pouvoir, dans ce vide de pouvoir, le pacha de l'Égypte grandit en puissance. Et il prend le contrôle de l'Égypte. Et contrairement à la version que ce mouvement avait dans le passé, nous n'avons pas donc un pouvoir islamique radical. Mais c'est en fin de compte une Égypte tolérante et progressiste mise en place par ce pacha. Et avant cette histoire, avant l'Égypte était un état vassal à la Turquie. It had sent its own people over Egypt. Il envoyait son peuple en Égypte. Quand la France est partie et quand la France est venue et partie, ces Égyptiens voulaient être autonomes par rapport à la Turquie. Just over 30 years later, 40 ans après, civil war ensues. La guerre civile a eu lieu. This is civil war between Egypt and Turkey Egypt tries to fight for its freedom. C'était la guerre civile entre l'Égypte et la Turquie alors que l'Égypte se battait pour sa liberté. It results in a 10-year war. Et cela a conduit à une guerre de 10 ans. It comes under different names. Sometimes it's called the Syrian War.
Parfois, on l'appelle la guerre syrienne. La guerre égyptienne-turque. L'Égypte s'est battue pour sa liberté durant 10 ans. Derrière cette guerre, les Européens sont engagés. Ils ont tous leur propre agenda. Ils contrôlent et manipulent les acteurs de cette guerre. Égypte et Turc. Alors, on a en fin de compte une guerre de procuration de 10 ans. Ça commence en 1831 et se finit en 1841. C'est une guerre très bien documentée. Ce qui est intéressant, c'est que cette guerre est en deux parties. Alors, 1831 à 1833, 2 ans. Après un gap de 6 ans. Et après 1839 à 41, et nous sommes intéressés par ces deux dernières années. On a donc dans l'histoire millérite une guerre de 10 ans. 1831-41. Et dans notre histoire aussi, on a une guerre de 10 ans afghane. Et on a prédit. Et on a prédit une guerre de 10 ans dans le Moyen-Orient aujourd'hui. 2011, qui se finit en 2021. Pourquoi elle se finit? Car l'alliance, car les sphères d'influence, entre qui? Alors, la Russie et l'islam, on va dire, est brisé. Apanium. Quand la Russie reçoit sa blessure mortelle. On a déjà défini la blessure mortelle, qui est donc une perte d'influence. Une perte des sphères d'influence, donc la guerre de procuration, elle se termine en 2021. Et c'est donc une guerre intensifiée au Moyen-Orient. La guerre de procuration entre deux puissances, superpuissances. Donc en 2019. Et elle continue donc en 2021, 2 ans encore. On peut peut-être mettre ça dans le chat room. Alors, ce que j'aimerais que nous voyons, c'est qu'en 1840, alors 6 ans au milieu de cette guerre de 10 ans, on a 31-33 après 39-41. Par conséquent, en 1840, devient un parallèle de 2020. Si vous regardez les commentaires des gens sur le chat,
Il y a déjà beaucoup de personnes qui savaient cela. Et la raison... Et pourquoi les personnes connaissaient qu'il y avait un parallèle entre 1840 et 2020, c'est parce que c'est un or... ce n'est pas un enseignement nouveau, on en a parlé depuis plus d'un an. On en a parlé donc au Brésil en janvier-mars 2019, mais c'est en Tahiti que nous avons posé cette étude en mai 2019. Nous pouvons maintenant mettre en parallèle le 11 août 1840 avec l'année 2020. Et ce que nous avons vu là, c'est la restriction de l'islam. Dans les dernières 5 minutes, j'aimerais faire des commentaires sans entrer dans des détails. This story begins, cette histoire commence 42, years before, 42 ans avant, en 1798, où nous avons une guerre de procuration entre la France et la Grande-Bretagne qui a été transportée dans le Moyen-Orient. Leur centre d'attention est quoi? C'est pas l'Égypte. C'est pas la Syrie, la Turquie, c'est quoi? C'est la guerre entre la France et l'Angleterre, et leur attention, c'est l'Inde. L'Inde devient un sujet de la prophétie biblique. Le frère Wolfgang, il rigole. Donc l'Inde devient un sujet de la prophétie biblique au commencement de l'histoire millérite. Si on veut tracer 1840, il faut retracer qu'est-ce que l'Inde a à voir avec toute cette histoire. Je ne veux pas dire plus que cela. Ce que je veux dire, cette étude a stagné depuis plus de 12 mois. L'été dernier, Michael de la France, il a progressé dans ce message. Il a regardé aux événements autour de l'œuvre de Litch et a fait une ligne de 10 balises. On a corrigé donc des erreurs de l'erreur humaine et il a produit un bon résultat. Mais après août de l'an dernier, le message n'a pas progressé. Nous sommes quasiment sûrs Nous sommes sûrs que le sujet de l'islam fait partie de l'accroissement de la connaissance de Panium. Ce doit être, car c'est la fin de la guerre de procuration du Moyen-Orient. En lien avec l'islam, l'histoire de l'islam,
va se terminer sur quoi? Why? Sur quoi? Pourquoi? Because what happens in 2021? Que se passe-t-il en 2021? Russia receives a deadly wound. La Russie reçoit la blessure mortelle. So if you want to know the relationship in 2021, si on veut savoir la relation, la relation de 2021 et la blessure mortelle de Russie est en lien avec la perte de la sphère d'influence. Donc, il nous faut comprendre le contexte de 1840, qui est ce qui se passe maintenant et que nous n'apprécions pas. So, we believe, nous croyons, that there is another line of history that needs nous, to be understood. Nous croyons qu'il y a une autre ligne d'histoire qui doit être comprise, to help explain, qui va aider à comprendre 1840. Qui va aider à comprendre 1840 et 2021. Donc, nous voulons l'aide des personnes du mouvement qui regardent. Non pas pour développer une étude, hein. Mais nous voulons qu'il prie, car nous voulons nous attendre à voir, à avoir un accroissement de connaissances sur l'islam cette année. Nous savons déjà cela. Nous le savons depuis un an. Mais cela devient plus important par rapport à quel problème qui n'était pas dans la compréhension du mouvement 12 mois avant. Ce n'était pas un problème 12 mois. Il y a 12 mois. À quoi fais-je référence? Alissa. Natasha. Nathalie. Hélène. FFA Nashville, FFA prediction. La prédiction d'FFA sur Nashville. So, Lucas family say, a couple of people said July 18. Alors, des personnes disent le 18 juillet. C'est leur prédiction là. That makes this issue much more relevant. Leur prédiction rend ce sujet beaucoup plus important. Alors, eux, tout comme nous, FFA et nous aussi, nous avons une étude sur l'islam qui pointe à 2020. Et alors que nous allons finir, la raison pour laquelle c'est important, et les gens n'apprécieront peut-être pas. Il y a de cela un an, j'ai donné un avertissement aux enseignants de FFA qui disaient quelque chose de ce genre, que Dieu a suscité des enseignants. Donc là, c'est pour FFA. Et ces enseignants qui ont été suscités par Dieu ont un message. Et tout le monde dans tous ceux qui sont à la direction d'un ministère et qui rejettent leur message seront perdus et mis de côté. Et ceux qui rejettent, acceptent leur message avanceront de force en force. Future for America, FFA chose to accept that message. A choisi d'accepter ce message.
the leaders of this movement chose to reject that message. Et le dirigeant de ce message a choisi de rejeter notre message. Donc, selon ces enseignants d'FFA, nous avons été maudits par Dieu car nous avons rejeté ce message de fin des temps. Et ce message portait sur l'islam en 2020. Ce problème que FFA a introduit au devant de la scène, je voudrais rappeler aux gens que ce n'est pas une étude de Future for America. Ça a été fait par d'autres enseignants. Ils ont dit que ce mouvement a choisi. Il faut choisir la vérité à laquelle vous voulez croire. Leur vérité à FFA, c'est la vérité d'une autre personne. Le leadership, nous. Nous avons choisi la direction de ce mouvement de rejeter ce message et de marcher, de suivre notre voie, FFA, ayant peur de cette malédiction, a choisi d'accepter leur message. Donc, ils ne vont pas recevoir la malédiction de Dieu. Et je n'ai rien inventé. Ce que je veux que vous réalisez, l'histoire d'FFA, l'histoire de FFA ne porte pas sur FFA et nous. C'est porte sur qui a le véritable message sur l'islam. Ce que nous voyons, on va voir la montée de l'islam. Ils auront la force de faire l'œuvre que FFA a prédit. Ce qui va dire que cette année, ils vont grandir en force. Ils ne vont pas être restreints en accord avec 1840. Ils ont été, à partir de 1840, ils ont été restreints. Cette année, on voit l'islam monter et descendre. Il vous faut savoir pour vous qui dit la vérité, qui est le véritable prophète. Si vous allez dans la version d'FFA, si on va dans la version de FFA, l'islam atteint son apogée cette année. Ils vont faire une attaque qui n'a jamais été vue auparavant. Mais si vous allez avec Josiah Leach, le prophète, on attend cette année la restriction de l'islam. Pourquoi ça sera le cas? Alors pourquoi l'islam sera restreint cette année? Parce que il est en lien avec la Russie et la Russie commence à descendre. Donc l'islam descend aussi avec. Alors que la Russie perd son accroche sur le Moyen-Orient, ses sphères d'influence. La Russie perd ses sphères d'influence, donc l'islam commence à être restreint. Sa capacité à pouvoir blesser
culminates next year. Et ça va culminer cette année, l'année prochaine, dans la, à la fin de la guerre de procuration. Et amène avec lui la Russie. Donc, c'est le point de cette étude. Je voudrais m'excuser parce que je voulais traiter aussi d'autres sujets, mais bon, ça n'a pas été possible. Comme Daniel, si nous ne prions pas, confessons pas nos péchés, quel espoir avons-nous pour que le Seigneur nous ouvre l'accroissement de la connaissance? Nous avons déjà toutes les pièces du puzzle ici, là. On attend qu'il nous donne les infos afin qu'on mette tous ensemble, tout comme Daniel. Et cela ne va pas se passer sans prière et jeûne. Et j'aimerais que tout le monde écoute. J'aimerais que vous priez avec nous, non pas maintenant là seulement, dans les jours et heures et semaines à venir. On a 5 semaines avant le 18 juillet. Et peut-être que c'est la volonté de Dieu que l'accroissement de la connaissance doit être compris par le vrai prophète. Car pour que ce soit un challenge pour le modèle de FFA. Donc si vous pouvez vous joindre avec moi en prière et garder aussi l'accroissement de la connaissance en prière aussi. Alors que le Seigneur commence à ouvrir le jeu, on va dire, le jeu de la Russie. And as Sister Natalie says, and the undoing of Future for America. J'ai pas compris. Let's pray. Prions. Alors que nous nous agenouillons, je voudrais remercier tout le monde d'avoir rejoint ce camp meeting. Et je pense que chacun a reçu les bénédictions qu'il méritait. Prions. Cher Père Céleste, alors que nous sommes agenouillés devant toi, tout comme Jacob, aide-nous. Aide-nous à arrêter, à nous battre contre toi, à te résister, pensant que tu es notre ennemi. Tout comme Jacob, aujourd'hui, tu tu ne viens pas en gloire, tu viens dans ta forme humaine. Ceux qui, dans le mouvement, résistent à l'œuvre, qui résistent au message de l'Ancien Test, qu'ils puissent considérer la vérité de leur position. Afin que nous puissions avoir de la puissance avec Dieu pour remporter la victoire, afin de pouvoir le remporter, il nous faut donc reconnaître nos péchés. Il nous faut nous repentir de notre passé. Et cette étude que nous avons étudiée, l'étude sur l'accroissement de la connaissance sur l'islam,
the demise of the king of the south as it receives its deadly wound next year. Et donc la les événements qui conduisent à ce que le roi du sud reçoive sa blessure mortelle l'année prochaine, tout cela sont des informations importantes. Et même si ceux qui s'opposent à ce message, ces éléments conservateurs qui ont une compréhension tout à fait différente des événements des fins de la, du temps de la fin, et ainsi que de leur mauvaise compréhension de l'islam, leur rejet du premier, deuxième et troisième message. Leur rejet du grand test, l'égalité. Que chacun puisse comprendre. Nous vivons dans les temps solennels. Et alors que nous voyons ce qui se passe autour du monde, que nous n'oublions pas qui nous sommes et l'œuvre que nous, il nous est demandé de faire. Le monde est en train d'être détruit. Les révolutions se passent tout autour de nous. Que chacun d'entre nous puissions comprendre notre rôle, notre but. Le rôle que tu nous as donné à faire. Alors que nous commençons à plaider avec toi, afin que tu puisses nous ouvrir l'accroissement de la connaissance sur l'islam, l'accroissement de la connaissance sur la mort du roi du Sud, aide-nous à pouvoir nous rappeler où est notre grand test. Et nous l'avons dit de façon répétée. Alors que nous avons chéri le nationalisme, alors que les hommes dans ce mouvement ont abusé de nos sœurs, et nous avons tant de mauvaises idées concernant l'homophobie. Et plus que cela, nous recherchons la repentance afin que nous puissions nous détourner des péchés de nos pères et tout comme Jacob, que nous puissions recevoir un nouveau nom. Bénis-nous, nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.